Bon, alors, ok. Alors, aujourd'hui, tout simplement, on va aller voir les filles pour demander si ça dérange de faire l'amour avec un puceau. Parce que c'est un truc important. On demande, vas-y, c'est parti. Vas-y, c'est parti. Salut, tu vas bien? Super, et toi? Très bien. Franchement, le cadre a du charisme. Comme moi. Comme moi aussi. C'est très bien. Très bien. On est à la sortie ce soir, non? Ouais, très bien. Bon, bref, allez, voilà la question. Salut, tu vas bien? Oui, ça va, et toi? Tu as de beaux yeux, c'est bien. Merci, c'est gentil. Très bien. Bon, la question, c'est est-ce que ça te dérangerait de faire l'amour avec un homme qui ne l'a jamais fait? Bah, pour l'instant, je sais pas, j'ai encore jamais fait l'amour, alors je sais pas encore. D'accord, mais par exemple, si ce que tu fais la première fois, tu veux faire avec un homme qui est expérimenté ou plutôt un homme qui l'a. Bah, sachant que moi, je serais pas expérimenté, ouais. J'aimerais bien être avec quelqu'un qui l'a déjà fait pour être à l'aise. Ah, okay. Sinon, après, je vais pas être à l'aise, nous deux, on va être pas à l'aise. On va dire qu'un homme qui prend un peu les devants, on va dire. Oui, voilà. Okay. Mais moi, je vais pas le faire avant le mariage. Ça marche, ok. Voilà. Par exemple, toi, ça te dérangerait de faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait? Est-ce que pour toi, c'est un blocage ou c'est un truc qui ne te dérangerait pas? Ce serait un peu un blocage. Ah. Quand même, un petit peu. Pourquoi j'aime bien les hommes expérimentés, moi. Ah, d'accord. D'accord, ok. Donc, si on va dire qu'un homme l'a jamais fait, pour toi, c'est rébitoire, quoi. Pas forcément. Après, ça dépend comment il est, comment il agit. D'accord, ça marche, ok. Sa maturité, plein de choses. Ok. Et une question plus encore osée, mais est-ce que toi, du coup, tu l'as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait, du coup? Jamais. Jamais? D'accord, ok. Oui, j'aime pas trop. Pourquoi ça? Pour des raisons, quand même. Ouais, il faut que j'y pense un petit peu, je crois que c'est... C'est bruyant hein, par ici, hein. Ouais, t'as vu ça? Niama. Alors, je dirais que c'est juste... Je préfère quelqu'un qui a du savoir-faire, oui. D'accord, ok, d'accord. Est-ce que, du coup, tu as déjà fait l'amour avec un homme qui l'a jamais fait, du coup? Non, mais j'étais pas loin une fois. Comment ça pas loin? Raconte-nous un petit peu. Morgue, capote, il faut se protéger. Ah, que merde, ok. En soirée, j'imagine, alors. Non, même pas. Bon, le garçon a oublié, c'est comme bizarre, hein. Bon, ouais. Ouais, bah, il était pas... Bah, du coup, il avait pas le savoir-faire. Ouais, c'est merde, ça. Merde. Non. Ok, d'accord. Ok. Non. Est-ce que du coup tu as déjà fait avec un amour avec un homme qui l'a jamais fait du coup? Je me suis emmêlée, ouais. Avec un homme qui l'a jamais j'ai fait. J'ai compris. Ouais. Non, ça m'est jamais arrivé, non. Ah, pourquoi ça? Bah, parce que à chaque fois j'ai eu des copains, des partenaires sexuels qui avaient de l'expérience, donc okay. Voilà, c'est comme ça. Donc tu aimes les gens qui sont expérimentés plutôt, toi? Je sais pas si c'est un... Oui, ça, c'est toujours tombé comme ça, mais bon... Ok, d'accord, ça marche. Ouh, ça me dérange un peu. Pourquoi? Mais pourquoi? Tu dois tout lui apprendre. Depuis le début. Ah, tu vois plus un homme qui t'apprend les choses de quoi, alors? Non, on est sur un pied d'égalité. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait? Non. Ah, jamais? Jamais. Et ça n'arrivera jamais. Jamais, d'accord. Jamais. Okay. Bon, moi, elle est claire, hein, elle est cash. Ouais. Hein. Ouais. Les abonnés, désolé. Hein. Je vous remercie. Hein. Salut les abonnés. Non. Ah, dérange pas. Ok, d'accord, ça marche. Bah, c'est bien. Bah, de toute façon, je me réserve au mariage, donc je préfère que mon homme se réserve au mariage aussi. Ah, toi aussi? Ouais. D'accord, c'est bien. C'est une question du coup osée, hein. Pour être honnête. D'accord. Est-ce que ça te dérange de faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait? Oula, c'est long, dis donc, hein, faut dire oui ou non là. C'est quoi ça là? Bah peut-être, je sais pas, ça dépend de la personne, que c'est, je sais pas. Bah, dans le cadre, on va dire d'un sex friend ou d'une relation d'un soir. Bah non, ça peut être intéressant. Intéressant? Ouais. C'est bien. Ah, c'est bien toi, hein. Intéressant, hein. Bah oui, intéressant. Ouais. Ouais. Est-ce que du coup, tu l'as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait? Ouais. Ok. Et t'en gardes de bons souvenirs? Ça allait, franchement ça allait. Ok, c'est bien. Est-ce que d'abord tu aimes les hommes ou les femmes? Bah, je sais pas, peu importe. Ah, donc tu es bi alors? Bah, je m'en fous, je me pose pas la question, j'aime okay, pas d'accord. Le sexe, j'aime la personne en fait. Ok, ça marche, ok. Donc voici la question, elle est un peu osée. Est-ce que ça te dérangerait de faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait? Bah, non, si c'est la personne que j'aime, non. Mais c'est dans le cadre d'une relation d'un soir ou d'un... D'accord, okay. Enfin, je fais pas pour un soir, donc... Ok, d'accord, ça marche. Est-ce que du coup, tu l'as déjà fait avec une personne qui l'a jamais fait, du coup? Oui. D'accord, ok. Ok, bah je tourne. Ah oui, bah c'est un homme ou une femme, du coup? Une femme. Ok, ça marche. Faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait? Je ne sais pas. Vous savez pas? Je ne sais pas. D'accord, ok. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir maintenant. Il faut réfléchir. Pourquoi il faut réfléchir? Bah c'est oui ou non hein après. Bah ça dépend de l'humeur. Ah de l'humeur, ok.
Est-ce que du coup tu as déjà fait l'amour avec un homme qui l'a jamais fait du coup? Je pense que non. Mais okay. Je ne suis pas sûre. Pas sûre, ok. Est-ce que tu aimes les femmes vierges? Personnellement, c'est quelque chose qui ne me dérangerait pas. Pourquoi? Parce que c'est toujours meilleur de pouvoir passer bien avant qui que ce soit. Ah d'accord, ok. En priorité. Priorité, d'accord. Est-ce que tu as déjà fait l'amour à une femme vierge, par exemple? Personnellement, ouais, plus d'une fois. T'as aimé? Franchement, ouais, c'était plutôt pas mal. J'aime les hommes. T'es sûr de toi? Oui. Très bien, bon. C'est une question un peu osée, hein. Faut être honnête. Est-ce que ça te dérange de faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait? Ouais. Pourquoi ça? Dis-nous la vérité, pourquoi? Bah parce que j'ai peur qu'il ait aucune expérience et que du coup, ce soit pas fou. Ah d'accord, ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu l'as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait du coup? Non, ou alors il me l'avait pas dit. Les hommes. Très bien. Alors voilà la question, elle est un peu osée, hein. Est-ce que du coup, ça te dérangerait de faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait? Non. Non, d'accord, ok. Non, tout dépend du feeling en fait, non, feeling. Pas vraiment. Ok. Et pour par exemple, un plan d'un soir ou un sex friend par exemple, ça te dérangerait ou pas? J'en ai pas. D'accord. J'en ai jamais eu, donc je pourrais pas répondre à cette question. Ça marche, ok. Et du coup, est-ce que tu as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait du coup? Non. Ok, ça marche. Est-ce que du coup, ça te dérange de faire l'amour avec un homme qui l'a jamais fait? Pas forcément. Ah, pas forcément, d'accord, ok. Est-ce que du coup, tu as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait? Non. Ok. Merci beaucoup, Nyama. Quoi? Bah écoute, pourtant si. Bon, c'est bien, bon. Alors, est-ce que d'abord tu aimes les hommes ou les femmes? J'aime les hommes. T'es sûr de ton choix quand même, toi? Ah, je suis très sûre, ouais. Bien doute, bon, ok. Alors. Comment, remets en question ma. Ouais. Voilà la question, elle est un peu osée, hein. Est-ce que ça te dérange de faire l'amour, ouais, avec un homme qui l'a jamais fait du coup? Non. Ok. Non, d'accord. Pour le coup, non. Pas du tout? Non, pas du d'accord, tout. D'accord, ok. Est-ce que du coup, t'as déjà fait avec un homme qui l'a jamais fait du coup? Oui. D'accord. Et t'as eu de bons souvenirs, ça va? Ouais. Ok. Mais on dit que tu s'en bats les couilles. Non, mais je comprends pas en fait le but. Enfin, genre, pourquoi ça te dérangerait? Pourquoi vous posez cette question en fait? Parce qu'on a envie. Et bah, je vous réponds. C'est bien. Je te fous de ma gueule. Je me fous pas de ta gueule. Je rigole. Non, mais attends, mets le micro. C'est pas des questions intéressantes. Elle est intéressante quand même. C'est alors intéressant, comment tu vas? Donc, non, comment je t'appelle? Merci à toutes et à tous d'avoir vu cette vidéo. Commentez, likez, partagez. Et dites en commentaire les filles si ça vous dérange ou pas de faire l'amour avec un puceau. Voilà, voilà. Dites-le. Merci à vous. Vas-y, c'est parti. Au revoir. Allô.